Alors, bonjour tout le monde. Je suis Yolande James et j'ai le plaisir d'animer ce panel, cette table ronde sur les enjeux d'immigration. Just before we get started, so if you didn't hear, this panel will be mainly in French. Of course, you're always welcome to ask any of the questions in whatever language that you choose. But simultaneous translation is available if you should need it. So without further ado, on va commencer. Bienvenue à vos panélistes. Je vais les présenter rapidement. Évidemment, vous avez accès au programme, au CV plus impressionnant et détaillé dans la programmation. Mais avec nous, nous avons Catherine Hardé, professeure adjointe de sciences politiques à l'Université de Montréal. Antoine Bilodeau, professeur de sciences politiques à l'Université Concordia. Marjorie Villefranche, directrice exécutive de la Maison d'Haïti. Adèle Garnier, professeure agrégée au département de géographie de l'Université Laval. Et bien sûr, David Birnbaum, ancien maintenant, nouvellement ancien député libéral de Darcy-McGee. Bienvenue et merci tout le monde. On va y aller. On a beaucoup de choses à dire suite à la super présentation de Mireille. On a hâte de vous entendre. Je vais commencer avec une question générale pour tout le monde. On a touché à l'enjeu de la campagne électorale. Elle est finalement derrière nous au Québec. La question de l'immigration a été un sujet chaud. Il y a eu des positions claires et des déclarations faites des différents partis politiques. Peut-être un premier tour de table sur la façon que vous comprenez les enjeux les plus urgents, les défis les plus urgents pour ce prochain mandat pour le gouvernement. On va commencer avec vous, David. Merci, merci. Écoutez, je crois qu'on peut convenir que ce débat primordial et important ne s'est pas avancé plus que ça dans la campagne électorale qui vient de se terminer. Dans un premier temps, c'était une campagne électorale. Sur le plan électoral, on parle d'un gouvernement que, de toute évidence, a été pour se faire réélire. Un gouvernement, je me permets de le dire, qui s'est créé en quelque part à l'image d'un gouvernement d'il y a deux générations, en quelque part, une même coalition, et je ne le dis pas nécessairement de façon péjoratif, qui a été formulé par l'Union nationale. Est-ce que ce genre de vision, ce genre d'interpréter son impératif en tout ce qui a trait à la protection de la langue française, la nation québécoise, est-ce que c'est un genre d'approche qui est taillé à l'importance, la primordialité de l'immigration, il me semble que les questions peuvent se poser. Donc, est-ce que l'approche, les commentaires que je n'ai pas besoin de répéter sur le plan purement électoraliste s'expliquait en quelque part? Peut-être. Deux choses. Est-ce que ça avançait la cause légitime et centrale à notre avenir de l'immigration? Il me semble que la réponse est évidente. Est-ce que c'était emblématique ou digne, je me permets la question, d'un gouvernement en attente, d'un premier ministre en attente d'un deuxième mandat? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Par contre, les exigences dont vous avez parlé, et à notre honneur, on parle pour deux jours là-dessus, de se réconcilier avec l'immigration dans toute son importance et diversité, va être présent toujours. Et le Québec, là-dessus, comme d'autres ont dit, n'a pas de leçon à prendre d'autres juridictions sur l'importance centrale de l'immigration. Notre pénurie de main-d'œuvre, on va en discuter, j'imagine, où on parle d'un quart de million de postes à combler, un des voies normales, c'est l'immigration, des voies essentielles. Le poids démographique du Québec au sein du Canada, une préoccupation pas juste des nationalistes, Québécois de toute origine, est en diminution. Le taux de natalité est plus bas que n'importe où presque dans le monde occidental. Donc, l'immigration s'impose. Et on a notre belle tradition et ça s'impose. Est-ce que
ces enjeux auraient été avancés dans ce débat qui vient de se terminer. Pas convaincu. We saw dog whistle politics taking the front bench, if you like. Par contre, je me permets peut-être naïvement, mais de voir là-dedans une opportunité, parce que plusieurs de ces remarques du ministre Boulay, du premier ministre Legault, n'ont pas été bien avalées par le monde. Alors, en quelque part, de façon ironique peut-être, est-ce qu'on a une ouverture pour un débat un petit peu plus serein, plus discipliné, et cette conférence va peut-être en contribuer. Là-dessus, je suis un petit peu optimiste. Oui, on aura l'occasion effectivement de revenir notamment sur la question de la pénurie et le positionnement du gouvernement. Marjorie? Bon, alors, effectivement, heureusement que les élections sont derrière nous parce que c'était assez désagréable. Et en fait, moi, ce que je dis, c'est que ce qu'on a entendu, c'est que j'ai l'impression, c'est comme si c'est un discours que... Ils ne se sont pas trompés quand ils parlaient. Jamais. Ils se disent, après, ils s'excusaient, excusez-nous, c'est pas ce qu'on voulait dire. Ils voulaient exactement dire ça. D'accord? Et donc, c'était effectivement ce qu'ils voulaient dire, parce que c'était ce que les Québécois, dans leur tête, voulaient entendre. Par contre, moi, ce que je trouve qui est grave maintenant, c'est comment est-ce qu'on va réconcilier maintenant les immigrants avec ce gouvernement qui est supposé les représenter. Parce qu'il y a une coupure. En tenant un discours comme ça, il y a une coupure qui se fait avec les immigrants et avec les enfants des immigrants aussi, qui sont des Québécois, qui sont nés ici. Donc cette coupure-là, comment est-ce qu'on va réussir à... Comment est-ce qu'on va réconcilier tout ça? Alors qu'il y a des enjeux importants qui se jouent actuellement au Québec, et je pense que Mme Paquin l'a soulevé, la question effectivement de l'immigration à deux vitesses, c'est-à-dire qu'on a tous les demandeurs d'asile, on a les travailleurs temporaires et tout ça, qui ne correspondent pas à l'immigrant normal, ordinaire, qui est supposé être. Donc, il y a ce problème-là qu'on doit régler, qui est extrêmement important. Il y a toute la question, effectivement, du français. Mais est-ce que cette question doit se régler sur le dos des immigrants? Ça, c'est une autre question. Parce que je pense que d'abord, le français doit se régler avec les personnes qui parlent français. Donc, cette question-là. Et je pense qu'il y a aussi toute la... Pour moi, l'enjeu aussi, c'est de reconnaître les travailleurs essentiels, parce que c'est quelque chose pour lequel on s'est battu très longtemps. Tous ces travailleurs essentiels qui sont, beaucoup sont sans statut actuellement. Et je pense que ben, voilà les enjeux importants dont on aurait pu parler, mais bon, on n'en a pas parlé. Tu travailles sur la planche. Adèle? Merci beaucoup. Pour construire sur ce qui a été dit auparavant, je pense que c'est un enjeu québécois et canadien, c'est vraiment celui du décalage entre les discours politiques et la pratique des politiques publiques. Moi, j'ai été particulièrement surprise avec mes collègues, d'ailleurs, Catherine Hardé et Mireille Paquette, on a écrit là-dessus dans IRPP sur le fait que la CAQ n'a pas du tout communiqué ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont fait beaucoup de choses dont on parlera pendant ce panel, notamment en matière d'accès et d'éligibilité aux services pour les migrants temporaires, etc. Ils auraient pu aussi mettre cela en avant pendant la campagne, ce ne l'a pas été fait du tout. Et maintenant, je trouve que ce serait une bonne chose, sur cet enjeu en particulier et d'autres, mais en particulier là-dessus, que le gouvernement communique. Et ce serait peut-être une façon justement d'entamer la réconciliation aussi avec les communautés immigrantes. Et j'espère qu'on va... venir et revenir vers une approche plus consultative sur la question de l'application et de l'implémentation des politiques. Catherine. Oui. Merci. Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de dossiers chauds. Puis, bon, moi, je travaille plutôt sur les politiques publiques, donc j'ai plutôt tendance à juger les actes que les discours, même si les discours entourent ces politiques. Et c'est vrai qu'on attend un peu le nouveau gouvernement au tournant sur l'immigration, parce qu'il y a eu des propos alarmistes, maladroits, ou des propos qui étaient plus divisifs. Mais les politiques ne sont pas toujours dans ce sens-là. Puis c'est un peu paradoxal quand on essaye d'analyser vraiment le positionnement du gouvernement en matière d'immigration. On ne sait pas toujours très bien dans quel sens ils vont, parce qu'il y a eu des réformes très différentes. Il y a eu le programme d'expérience québécoise, là, on a beaucoup parlé de ce système à deux vitesses, extension des délais, mais énormément d'argent investi dans la francisation et autres. Donc c'est vrai que moi, je crois que l'enjeu, là, ça va être aussi pour la CAQ, qui est une coalition, qui certes a beaucoup de pouvoir, mais qui est une coalition de plusieurs gens, puis aussi en interne, ils ont certainement des débats là-dessus, de trouver son cap sur l'immigration, puis quel est le destin qu'il veut pour le Québec. Puis il y a eu des déclarations fortes,
on en reparlera, mais est-ce que le Québec veut vraiment rester petit? Est-ce que le Québec veut garder son régime distinct d'immigration? Est-ce que le Québec veut continuer dans cette voie de l'explosion de l'immigration temporaire alors qu'il n'a pas tant de pouvoir sur cette immigration? Puis c'est quelque chose qui est contrôlé par Ottawa. Et puis après, c'est autant battu pour contrôler qui vient au Québec et qui reste au Québec. Est-ce qu'on laisse aller tout ce pan? Donc je pense qu'en fait, c'est vraiment je dirais un casse-tête ou un sac de nœuds. Ça dépend de l'expression qu'on préfère. Mais voilà. Voilà, il y a des choses vraiment importantes à discuter. Oui, merci. Antoine. Oui, merci. En fait, moi, je suis un peu l'inverse. Hein. Moi, je n'étudie pas les politiques, j'étudie plus les discours, plutôt l'opinion publique. Mais en fait, ce qui marque comme enjeu, qui est important, c'est un enjeu de politique publique. Et on parle, surtout pendant la campagne, beaucoup du nombre d'immigrants qui devraient être admis. Mais pour moi, c'est un enjeu super important, mais ce n'est pas l'enjeu primordial qui devrait être discuté, mais qui, et l'enjeu que je vais mentionner, je crois, n'a jamais été discuté en campagne électorale, qui est quelle est la relation du gouvernement du Québec et du Québec plus largement à l'immigration et la diversité ethnoculturelle. Il n'y a pas de politique forte, de positionnement clair de comment le Québec aborde ça. Le gouvernement fédéral et les autres provinces canadiennes ont depuis longtemps très clairement statué sur leur orientation. Au Québec, on sait, à tout le moins les élites tentent à rejeter le modèle multiculturaliste. Mais où ils se situent, comment ils abordent la question, ça devient très nébuleux de le comprendre. On a, soit dit en, apparemment, une orientation interculturaliste qui n'a jamais été formalisée. Et je serais curieux de voir, peut-être les gens du gouvernement du Québec sont ici pour dire à quel point ça teinte les politiques, je ne le sais pas. Mais même si ça teintait les politiques, pour l'ensemble des Québécois, il n'y a pas cette politique forte, ce symbole fort. Le gouvernement fédéral a eu trois moments symboliques forts, bien, un peu moins public, là, mais 71, 82, 88, ce sont des moments clés des politiques fortes, alors que le Québec n'en a pas. Et c'est important parce que, et soit dit en passant, le Québec peut adopter le multiculturalisme, l'interculturalisme ou autre chose, mais je crois qu'il a besoin d'un positionnement. Et c'est important parce que je pense qu'on a parlé de politisation de l'immigration, je pense que la politisation de l'immigration elle est plus forte au Québec, notamment parce qu'on n'a pas ça. Et ça laisse la place à toutes sortes d'acteurs, que ce soit des politiciens, des chroniqueurs, des acteurs plus radicaux, qui font des déclarations polémiques et qui accaparent toute l'attention. Et là, on parle de ça parce qu'on n'a pas de fort. C'est Jennifer Ulrich ce matin qui disait, un sondage qui est paru hier, 48% des Canadiens disent que les immigrants n'adoptent pas les... Moi, je n'en ai pas entendu parler et ça a fait à peu près réagir personne dans la salle. Si je vous avais dit que les Québécois pensent ça, là, tout le monde s'exciterait dans les médias, et avec raison, soit dit en passant, mais je pense que dans le reste du pays, ça attire moins l'attention parce que les balises sont claires, le train est en marche et il va y avoir des trucs, mais on sait où on s'en va. Et je crois que c'est ce qui manque au Québec, c'est super important qu'une fois pour toutes, on clarifie ça d'une manière ou d'une autre. Très bien. Peut-être une première sous-question pour vous, Antoine. Justement, la question de l'interculturalisme, comment est-elle comprise par les Québécois ou un peu, pas du tout, définie d'aucune façon? Parce que c'est un mot qu'on entend quand même souvent de la bouche des politiciens depuis plusieurs années. On n'a jamais fait d'études savoir ce que les Québécois, comment définissaient l'interculturalisme, mais je pense que la première question qu'il faudrait leur poser, c'est « savez-vous c'est quoi? » Oui. Et je pense que la réponse serait « de quoi tu parles? » Même les experts entre eux ont de la misère à s'entendre sur ce que ça veut dire exactement puis l'orientation que ça donne. Mais je pense que ce qui est important de comprendre, si j'étais à la place du gouvernement et je voulais l'interculturaliste, je demanderais des questions qu'on avait discutées, c'est de quoi s'inquiètent les Québécois? De quoi est-ce que les Québécois ont peur? Parce que clairement, il y a un malaise. Et je pense que c'est important de distinguer les nombres d'immigrants qu'on veut admettre puis la question de l'intégration. Et si vous portez attention, c'est assez clair que malgré qu'on a parlé de nombre d'immigrants dans la campagne, tous les enjeux sous-jacents, c'est l'intégration. Quand François Legault dit on va en prendre moins, mais on va en prendre soin, ce qu'il veut dire, c'est on va les intégrer. Mm. Peu importe ce que ça veut dire. Et il faut distinguer les deux. Pardon, parce qu'au niveau des niveaux d'immigration, on n'en a pas beaucoup parlé ce matin, on a fait référence à un moment donné, mais je pense que c'est important de commencer en disant, on vit à une époque au Canada où
l'ouverture au taux d'immigration est incroyablement élevée, relativement parlant. On oublie, mais dans les années 80, c'était autour de 70-75% des Canadiens qui voulaient réduire les quotas d'immigration. Et ça a systématiquement fondu jusque dans les années 2000. Et là, ça a un petit peu, l'opposition à l'immigration a un peu remonté, mais on n'est pas du tout, on est autour dans la branche de 30 à 40 des gens qui veulent réduire l'immigration. Donc, on est dans un autre paradigme complètement. Et ça, je pense qu'on l'oublie. Il y a toutes sortes d'enjeux qui sont super importants, puis je trouvais la discussion ce matin vraiment importante. Mais je pense que, entre autres, les questions qu'on s'est posées ce matin, on les pose notamment parce que le climat est beaucoup plus favorable. Même s'il y a toutes sortes de problèmes encore, on est capable d'atteindre un niveau de discussion qu'on n'aurait jamais eu dans les années 80, parce que l'opposition était beaucoup plus forte. Et à ce niveau-là, au niveau d'immigration, les Québécois ne sont pas différents. Surtout si on se limite, comme on fait souvent dans les études d'opinion publique, aux gens qui ne sont pas issus de l'immigration ou de la diversité. Les Québécois sont vraiment pas pires que les autres Canadiens. On voyait même à l'époque que les gens qui étaient le plus opposés au sein du groupe majoritaire, donc les populations blanches du Canada, c'était les Ontariens. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu beaucoup d'immigration. Donc, je pense que ça, il faut dire les choses comme elles sont. À ce niveau-là, le Canada a fait un progrès immense. Là où ça dérange un peu plus, c'est au niveau de l'intégration et ce qu'on parle au Québec. Je pense que là, les Québécois sont plus mal à l'aise. Mon ancienne étudiante au doctorat, Audrey Gagnon, faisait des entrevues qualitatives avec des Québécois et c'était vraiment très clair que les gens perçoivent le Québec comme une société avec une culture et une identité propre et ils s'attendent à ce que les immigrants adoptent cette culture et adoptent aussi l'identité québécoise. Et ensuite, les mérites de l'immigration sont jugés selon leur évaluation. C'est parce que j'ai parlé trop, on me coupe le micro. Que les immigrants adoptent ou pas la culture, l'identité québécoise, ils sont vus positivement ou négativement. Donc oui, il y a un malaise, mais ce n'est pas du tout au niveau, même si on en parle, le malaise il est ailleurs au niveau de la question d'intégration. Je comprends. Peut-être justement parce que vous avez abordé la question du climat, vous avez abordé, tout le monde a abordé la question du discours, mais maintenant, vous l'avez dit, Marjorie, la campagne est derrière nous, mais les policiers, notamment le gouvernement, doivent maintenant passer aux actes face à certaines choses. J'aimerais, je vais commencer avec vous, Catherine, sur la question des relations du gouvernement du Québec et celui du gouvernement fédéral. Monsieur Legault ne s'est pas caché durant la campagne électorale de dire qu'il avait l'ambition d'aller chercher plus de compétences au niveau de l'immigration. L'entente Canada-Québec signée entre la ministre McDougall à l'époque et Monique Gagnon-Tremblay, de façon générale, traditionnellement, était interprétée comme étant avantageuse pour le Québec. Quels sont les risques ou peut-être les avantages de réouvrir cette entente-là, selon vous? C'est vrai que c'est une question vraiment majeure pour l'avenir du Québec aussi. Il faut savoir que la CAQ, ça a été un entrepreneur politique sur la question du nombre d'immigrants, combien on en veut, c'est la première, mais ça a été aussi un entrepreneur politique fort pour dire, là, l'accord de 91, là, ça ne suffit plus. Puis s'il y avait un fort consensus par rapport à cet accord, parce qu'il était jugé comme vraiment avantageux, généreux, ça avait été le fruit de négociations fortes, il faut aussi se remettre dans l'ambiance de l'époque, tout ça s'inscrit dans des rapports de force, c'était après le lac Meech, il y avait aussi les référendums et autres. Donc, le Québec était allé chercher des pouvoirs qui, c'est vrai, sont quand même avantageux et remarquables. Puis je le dis souvent parce que je suis belge. Je ne sais pas si ça s'entend, mais je suis belge. Et quand on regarde un peu par rapport à d'autres entités fédérées dans le monde, si on regarde d'autres fédérations, c'est clairement le Québec qui a le plus de pouvoirs dans le monde par rapport à l'immigration. Qu'une entité fédérée puisse sélectionner des gens, par exemple, c'est vraiment quelque chose qu'on voit très peu, même s'il y a des provinces ou quoi qui ont certains pouvoirs. Mais le Québec a été chercher loin beaucoup de pouvoirs. Beaucoup de pouvoir, beaucoup d'argent, il faut le dire aussi. En fait, quand on voit l'évolution de la somme d'argent qui est versée chaque année par Ottawa au Québec pour ça, ça fait qu'augmenter, c'est vraiment une somme très importante. On est au-dessus de 500 millions de dollars maintenant. Quand on rapporte ça au nombre d'immigrants par rapport à d'autres provinces, c'est sûr qu'il y a un avantage certain pour le Québec. Et là, la grande question, c'est la CAQ veut ça. Mais qu'est-ce qu'elle va être capable de faire? Puis, je dirais, c'est vrai que la CAQ et le premier ministre Legault a été assez...
vocable, enfin vocale, a dit beaucoup de choses sur la question, moins en campagne électorale, parce qu'en fait, c'est un gros rapport de force. Puis c'est ça qu'il faut comprendre. Quand on va négocier avec Ottawa, là, il faut être en force, en position de pouvoir. Et en fait, il y a beaucoup de négociations. Ils ont parlé du regroupement familial, qui voudrait plus de pouvoir par rapport à ça, parce que oui, le Québec sélectionne ses immigrants 100% des économiques, mais sur la question du regroupement familial, effectivement, c'est 100% Ottawa. Donc s'ils veulent chercher quelque chose là, ils vont devoir faire quelque chose par rapport à ça. On a parlé des arrivées irrégulières à la frontière, c'est aussi une question des relations intergouvernementales entre Ottawa et le Québec. La même chose pour les délais de traitement. Les délais de traitement ont explosé. Et puis quand on voit les joutes politiques, Ottawa et Québec se renvoient la balle. Mais c'est aussi un enjeu vraiment important de si le Québec est capable de sélectionner les gens, mais qu'après ils n'arrivent jamais parce qu'il y a des blocages ou même des pratiques qui ont été clairement considérées comme discriminatoires par rapport à certains types de candidats à l'immigration, tout ça c'est des dossiers chauds. Le problème c'est que, rapport de force, il va falloir négocier ça. Puis comment est-ce que la CAQ va se positionner? C'est vraiment une question de rapport entre immigration, fédéralisme, entre immigration et relations avec le Canada. Et aussi, est-ce qu'on va vraiment réouvrir cet accord? C'est peut-être la boîte de Pandore, là. Oui. C'est ça aussi que le CAQ pourrait se dire. Est-ce qu'on réouvre un accord? Est-ce qu'on va négocier des choses à côté, qu'on fait des addendums, qu'on va chercher plus de pouvoir? Mais c'est au sein d'une fédération. Puis les autres provinces regardent aussi ce qu'il faut faire. Puis ça, c'est toujours quelque chose qui m'a interpellée en tant qu'étrangère. C'est qu'on regarde surtout le Québec, juste le Québec. Mais en fait, il y aurait beaucoup de choses à dire aussi par rapport aux autres provinces qui sont aussi actives en immigration. Je sais qu'on en parlera. Mais qui peuvent aussi commencer à regarder ce qui se passe. Puis ça pourrait être aussi est-ce qu'il y aurait des coalitions de provinces face au fédéral? Ou est-ce qu'au contraire, le Québec sera en position d'avoir moins de force parce que les autres provinces vont moins le soutenir? Donc, c'est beaucoup de questions qui sont très importantes sur l'avenir du Québec, mais l'avenir de la Fédération canadienne aussi. Tout à fait. Si on se fie aux négociations, notamment en santé, ça risque de brasser, comme on dit en bon québécois. Peut-être justement pour vous, Adèle, la question, les autres provinces, ils ne regarderont pas juste aller une réouverture de l'entente s'embarquer dans l'arène. Comment vous voyez l'implication d'une réouverture de l'entente pour la fédération? Alors, comme Mireille a écrit dans son livre, on voit quand même que les compétences des provinces dans la sélection des immigrants économiques, autres que les Québec, ont augmenté considérablement depuis une vingtaine d'années à peu près, quoi, avec certaines provinces qui sont allées plus vite, comme le Manitoba, et puis d'autres qui ont rejoint le train en marche, comme l'Ontario, par exemple, plus tard. Donc, c'est un enjeu pour elles. Et dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre et de vouloir combler, en fait, les besoins à l'intérieur des provinces avec les immigrants qu'on veut, moi, je m'attends à des revendications de la part des provinces vers Ottawa plus fortes. Je ne m'attends pas à une politisation de la même nature que celle qu'on voit au Québec, puisque aucun des autres provinces, à ce que je sache, se considère comme une société distincte à l'intérieur du Canada. Donc, je pense que oui, on va vers des demandes techniques et bureaucratiques pour faciliter, pour augmenter le nombre d'immigrants. D'ailleurs, les provinces le disent déjà. Regardez, on veut plus de candidats des provinces dans notre province, on veut augmenter nos chiffres, etc. Mais je ne pense pas que ça va devenir un enjeu social ou communautaire, enfin, avec les dimensions que l'on voit au Québec, ou identitaires finalement, qui vont en lien avec l'entente qu'on voit ici. Et ça va être intéressant de le voir. Par contre, je pense que les choses que le pouvoir fédéral pourrait, auxquelles Ottawa risque d'être sensible, je pense qu'ils seront sensibles d'une certaine façon à ce que les provinces remplissent leurs besoins. Parce qu'en plus, si c'est des laboratoires d'innovation, puis qu'ils vont chercher les candidats qu'ils veulent, ils vont pouvoir s'intégrer rapidement sur le marché du travail, dans des emplois peut-être qualifiés, etc. C'est un avantage. Par contre, le gouvernement fédéral ne veut pas avoir l'impression qu'il y a une province qui peut diriger plus d'immigrants et une autre pas. Donc, il y a une espèce de compétition entre toutes les provinces non plus et veut quand même continuer de jouer un rôle dans la distribution générale de l'immigration de ce point de vue-là. Donc, ça se peut aussi que Ottawa mette des limites ou décide juste d'une augmentation très lente, finalement, comme jusqu'ici, à part dans certaines provinces où ça va plus vite, mais où là, il y a quand même moins d'immigrants sur le plan numérique, comme les provinces atlantiques. Mais il va y avoir plus de demandes, ça c'est sûr. Mais elles ne seront pas aussi politiques qu'au Québec, je pense. Ça ne sera pas facile de suivre, mais j'ai l'impression en vous entendant que ça risque d'entamer des discussions assez intenses, je veux dire ça comme ça. Mais allons-y sur les assises d'une politique d'immigration. Je reviens à vous, Marjorie, mais je vais commencer ma question. Et pour vous, David, parce que vous avez souvent évoqué cette question-là, vous l'avez fait tout à fait d'entrée de jeu sur la question de la pénurie de main-d'œuvre.
ça fait longtemps, depuis des années, justement, dans un contexte de discussion sur les niveaux, sur le fameux chiffre, quel est le bon niveau d'immigrants au Québec, la question de la pénurie de main-d'œuvre est souvent évoquée. Est-ce qu'elle est toujours aussi pertinente en 2022 et pourquoi, selon vous? Oui, il me semble que toujours assez pertinente. Malgré le débat durant la campagne, je trouve qu'une des choses intéressantes et positives au Québec et peut-être partout, on commence à avancer sur le débat sur l'immigration dans son contexte approprié, un de ses contextes appropriés, socio-économique. Écoutez, qu'on soit réel avec les uns et les autres sur le travail essentiel, le travail plus qualifié, pas de sens péjoratif, c'est l'immigration qui c'est un des moteurs essentiels qui va faire tourner notre économie, surtout à l'aube d'une récession qui est peut-être devant nous. Alors, est-ce qu'on peut parler en termes réels? Et c'est là où je trouve que nous avons un besoin d'arrêter de se permettre cette dichotomie ridicule entre l'intégration qui s'oppose à l'immigration. C'est au fond de nos débats publics, souvent au Québec et dans le reste du pays, et ça marche pas. Comment on peut prétendre que c'est un contre l'autre? Partout, c'est les deux dynamiques qui s'imposent, peut-être plus omniprésent au Québec parce qu'on a cet impératif de protéger, de sauvegarder, de promouvoir notre langue commune, le français, et c'est le Québécois anglophone qui le dit. Par contre, est-ce qu'on peut être conséquente? Voilà un enjeu, pas un obstacle, voilà un enjeu. Voilà l'immigration, pas un obstacle, un enjeu essentiel. Comment est-ce qu'on réconcilie ces deux choses? Est-ce qu'on va avancer sur le plan concret sur plusieurs choses? Dans un premier temps, Québec-Ottawa, est-ce qu'on va s'expliquer les pouvoirs qu'on irait chercher et comment ça risque sur le terrain d'améliorer la vie des PME, des citoyens et citoyennes en région, dans un premier temps? Est-ce qu'on peut décider comment on va aider et inciter le monde des affaires, les syndicats, les regroupements communautaires à participer dans l'intégration et la francisation des nouveaux arrivants? Ce n'est pas en tapant sur la tête, en décidant que les Québécois non francophones ainsi que les immigrants non francophones ou autres ont un réflexe contre l'idée de maîtriser notre langue française. Il y a plein d'études qui démontrent que c'est le contraire. Alors, est-ce qu'on peut avoir une discussion équilibrée sur les coûts énormes, qui devraient être énormes, de franciser des nouveaux arrivants comme il faut, d'employer l'expertise de tous les intervenants de la société et de faire en sorte que cette pénurie de main-d'œuvre qui est réelle soit au moins palliée de façon majeur par les bien fondés, les bénéfices potentiels et réels de l'immigration en région autant qu'à Montréal. Marjorie, là, David vient de faire tout un plaidoyer afin de vraiment démontrer, si j'interprète vos propos, David, sur la contribution de l'immigration, que l'immigration pourrait faire à l'économie, mais aussi à aider la pénurie au Québec. Mais vous êtes sur le terrain depuis longtemps. Dites-nous, est-ce que cette réalité-là se vit telle que expliquée? Peut-être avant de répondre, je voulais dire, on a cette discussion qu'on a eue tout à l'heure par rapport au pouvoir que les provinces ont versus le fédéral. Oui. Écoutez, quand on parle de citoyenneté, je ne pense pas que le fédéral va renoncer à ça, parce que c'est lui qui donne la citoyenneté. Non, il ne faut pas oublier ça. Donc, ça, c'est clair. Mais la question, soyons est-ce que ça clair. Peut nous lancer dans un tel débat? Voilà, exactement. Donc à ce niveau-là, ce que je voulais dire, c'est que souvent, quand on parle de l'immigration, quand on parle de l'intégration, des fois, je me dis que souvent, quand on demande à un immigrant, est-ce que tu as intégré, je dis, qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui. Parce qu'en fait, l'intégration, ça dépend du point de vue où on se place, tout à fait. Parce que quand je regarde le travail que je fais à la Maison d'Haïti depuis 40 ans, c'est 40 ans que je travaille avec des gens, et là, quand on parle d'immigration, on parle de personnes, il ne faut pas oublier ça non plus. Mm-hmm. On parle d'humains. Et les humains, c'est déjà fait. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est en train de discuter sur quelque chose qui existe déjà. C'est déjà fait. Les gens sont là, ils sont intégrés. Intégrés, c'est quoi? Pour beaucoup de personnes, c'est de travailler, d'avoir ses enfants qui vont à l'école et de contribuer au développement de la société. C'est ça, être intégré. Maintenant, est-ce que je parle français chez moi, dans ma maison? Est-ce que je rêve en français? Ça, c'est autre chose. Vous comprenez? Donc, c'est quoi le niveau d'intégration, finalement? Parce que moi, c'est ça que je pense. Je pense que les gens se sentent intégrés quand ils travaillent, quand ils contribuent à la société et quand ils contribuent positivement à la société. Et souvent, le travail qu'on fait, par exemple, dans un organisme communautaire, c'est ça, c'est de se dire, c'est de développer ce sentiment d'être citoyen. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Si on veut qu'une personne soit intégrée ici, au Canada et au Québec, c'est que cette personne ait le sentiment qu'il est un citoyen et qu'il contribue comme citoyen. Souvent, je dis, il y a un immigrant, il y a un demandeur d'asile, il y a un immigrant qui rentre à la maison d'Haïti, mais il y a un citoyen qui doit sortir de là. Parce que le sentiment d'avoir compris ce qui se passe, d'être capable d'analyser ce qui lui arrive et de faire les gestes qu'il faut comme citoyen, on peut au départ être citoyen de son quartier, citoyen de sa rue, de son quartier, de sa ville, de sa province. Vous comprenez? Et c'est ça pour moi l'intégration d'une personne. C'est ce sentiment de citoyenneté. Et le travail des organismes communautaires, je pense à ce niveau-là, il est énorme. Il est énorme parce que c'est... On ne sait pas exactement ce que le MIFI veut. Enfin, vous étiez ministre, vous le savez. C'était pas le MIFI à l'époque. C'était pas le MIFI, c'est vrai. Ça fait longtemps. Mais je dois dire que, par exemple, vous-même, vous avez pris des décisions par rapport, par exemple, au tremblement de terre. Ça, oui, ça a été très utile. Toutes des bonnes décisions. Non, mais ça a été utile, je veux dire, cette façon que le Québec a d'avoir utilisé sa discrétion pour pouvoir faire rentrer des personnes, je pense que ça, à ce niveau-là, c'est extrêmement intéressant. Mais c'est ça aussi, je veux dire, le ministère, on ne sait pas trop exactement ce qu'il veut, vers quoi il nous dirige, et je pense que oui, c'est une discussion qui est importante à faire. Vers quoi on va? Qu'est-ce qu'on veut exactement? Tout ça, on le laisse aux organismes communautaires en disant « intégrez-les ». Vous comprenez? Et c'est ça le travail aussi. Peut-être qu'on aura la chance de revenir justement sur l'intégration, comment la définir. Tout à l'heure, Antoine nous parlait de l'importance de définir la question de l'interculturalisme pour les Québécois, mais la question de la capacité d'accueil revient, puis l'importance de bien définir l'intégration du ministère, peut-être ça fait partie des choses avec les organismes communautaires. En effet, mais la question de savoir comment est-ce qu'on va les intégrer, c'est quoi la capacité des gens. On est déjà là, c'est ça. Je veux dire, souvent, on se pose des questions sur une situation qui existe déjà. Qui existe déjà, tout à fait. Vous l'avez évoqué également, tout le monde, mais je vais poser la question à Adèle. Pas au niveau de l'intégration, mais au niveau de la politique d'immigration, le français. Pendant des années, on a souvent dit dans nos politiques d'immigration que l'immigration aussi contribuait à la pérennité du français. Dans le discours politique d'aujourd'hui, il semble que certaines personnes mettent ça en doute. Quelle est votre lecture? Bien, comme on disait déjà, en matière de la sélection des immigrants, le Québec a quand même un pouvoir plus considérable que les autres provinces et décide pour les immigrants économiques de qui vient. Et puis, c'est par rapport à la langue aussi. Donc, ça fait quand même que, oui, on est une société distincte du point de vue de la langue. Et moi, je suis française et je suis du point de vue que le Québec arrive quand même très bien à défendre la langue française ici. Ça va peut-être en surprendre plusieurs, mais là, il y a eu les résultats du recensement qui sont sortis de 2021. Les résultats sont sortis hier. Oui. Et l'enquête dit qu'au Québec, il y a la première langue officielle parlée, la PLOP, 57% des Québécois ne s'expriment qu'en français en termes de langue officielle parlée, puis plus de 15% sont bilingues, enfin, parlent les deux. Et puis, il y a quelques-uns qui ne parlent pas encore, mais c'est très, très différent du reste du Canada. Et moi, j'ai tendance à dire que la loi 101 marche bien,
que je compare ça avec la France, que la pénétration de l'anglais est moindre, et j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas oublier le contexte global. J'aurais tendance à dire que l'anglicisation du Québec, c'est aussi dû au fait que les gens s'expriment en anglais à cause de la dominance de l'anglais de manière générale, et que ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à faire fonctionner nos politiques publiques de ce point de vue-là. Et j'ai tendance à dire que j'ai rien. Comme immigrante aussi, par exemple, j'ai appris que je suis arrivée comme résidence permanente à l'aéroport, moi, le truc traditionnel. Et donc, mon fils doit aller dans une école francophone. Et ça ne me dérange pas. Au début, je me disais, oh, peut-être que l'anglais, ce serait intéressant. Mais en fait, ben, y a Netflix, il y a plein de choses. Ils vont faire de l'anglais de toute façon. Et le français est mieux protégé dans la sphère publique qu'en France, que les titres de films ont fait des efforts de les traduire en français. Et oui, le français est menacé, mais pas par les anglophones du Québec. Le français est menacé de bien d'autres choses. Et je pense que là, ce serait innovant de la part du gouvernement du Québec de trouver comment rendre le français plus cool pour que ce soit une langue que les gens veulent parler. Parce que faire peur aux gens en leur disant, en les démonisant, en disant « Vous avez 6 mois pour apprendre à parler français correctement », les gens risquent de partir du Québec. Et là, il y aura moins de Québécois, et peut-être aussi moins de Québécois francophones. Je pense que c'est contre-productif. Donc, à mon avis, il faut avoir des solutions innovantes et vraiment placer le Québec dans le système global et être fier de ce qui a été fait dans cette province de ce point de vue-là. Mmh, intéressant. Ben, Antoine, c'est sûr que je regarde vers vous pour la perception des Québécois. On a entendu Adèle nous parler non seulement de son expérience, des données de Statistique Canada, la réalité du français auprès des personnes immigrantes et issues de l'immigration. Mais malgré toutes ces données-là, on comprend qu'il y a une crainte de la part des Québécois, qu'il y a un équivalent qui se fait entre l'immigration et la perte du français. Comment se fait-il malgré ce qu'on vient d'entendre? Oui, c'est une grosse question. Je commence en disant qu'on m'a passé le micro-privilège qui me donne le droit d'intervenir quand je veux dans la discussion. Attention. C'est une bonne question. Dans les phénomènes d'attitude envers la diversité, on fait beaucoup la distinction entre l'autre imaginé et l'autre vécu. Au Québec, mais comme dans beaucoup de sociétés à travers le monde, le problème, il est là, souvent. C'est-à-dire qu'on imagine l'autre d'une certaine façon et qui est en décalage souvent très fort avec comment il est. Et je pense qu'ici, on est dans un peu dans cette réalité-là. Les dynamiques médiatiques, le vide, je pense, de politique publique fait référence à ça. Malheureusement, dans le cas québécois, on a une autre dynamique qui est en place, qui contribue à alimenter ce fossé-là entre l'autre imaginé et l'autre vécu et qui fait intéressant, rien à voir avec les immigrants eux-mêmes, mais qui a à part avec le comportement des francophones. Et si je fais référence au fait que ça fait 3, même 4 décennies que les francophones quittent l'île de Montréal, mais un exode massif, un mouvement de population vraiment, vraiment très important pour se rendre dans la périphérie de Montréal. Et là où on peut questionner pourquoi ils vont, on fait généralement l'emphase sur on veut une grande maison, un grand terrain, un autre mode de vie, quelque chose de beaucoup moins cher. Mais le résultat de tout ça a été que c'est il y a très peu de rencontres entre le Québécois qui est ici depuis très longtemps et le nouveau Québécois qui arrive. Et ce fossé-là contribue à alimenter ces peurs-là, que ce soit par rapport aux Français ou d'autres choses. On a fait des études avec des sondages, mais aussi avec des groupes de discussion sur cet enjeu-là, et c'était vraiment troublant, les choses qu'on entendait. L'endroit où l'acuité, l'insécurité était la plus grande était vraiment dans la périphérie de Montréal. Je n'aimerais pas de municipalité quelconque, mais plus qu'en région éloignée. En région éloignée, en fait, ils avaient aussi des préoccupations parce qu'ils sont très loin de l'autre vécu, c'est vraiment l'autre imaginé, mais en même temps, il est tellement loin qu'il n'est pas une source d'inquiétude. Alors que dans la périphérie de Montréal, les choses qu'on entendait, on entendait des choses, ouais, mais attendez, là, ils s'en viennent, il y a des gens qui leur ont appris à traverser le pont. Là. Et c'était vraiment, et c'est ça, mais c'est un défi pour le Québec maintenant. Parce que la diversité, là où il n'y avait pas complètement tort, notre ministre pendant la campagne, c'est que la diversité des immigrations s'installe principalement à Montréal et dans la grande région de Montréal. Et les francophones ne sont presque plus à Montréal. Les Québécois de souche, comme on les appelle, il y en a presque plus. Bien, il y en a presque plus. Il y en a beaucoup moins qu'il y avait à Montréal. Et ça, c'est un défi. Alors, comment on crée cette rencontre-là? J'avais une collègue en psychologie qui m'expliquait, on rencontre des familles immigrantes et ils nous disent que ils ont plus de chances d'aller souper chez des immigrants d'une autre origine
mais ils ne sont jamais allés souper chez des Québécois de souche. Et ça, c'est tout un défi, là. Et comment on fait pour aller défaire ça, là? On parlait de nœuds, là, ou de, mais comment on fait pour défaire ça? Et parce que là, c'est plus juste une rencontre à Montréal, là, c'est, ils sont pas à Montréal. Mais, Catherine, oui. Juste peut-être une question pour peut-être répondre, puis je sais que David va intervenir, je sens que le débat part. J'aime ça. Justement, sur cette question-là, le contexte actuel de voir, on a beaucoup de discours au Québec présentement autour de la vitalité des régions. Les jeunes quittent les régions. Est-ce pas une opportunité des régions de vouloir justement favoriser ces rencontres-là? Catherine, voulez-vous répondre à cette question et oui. faire votre intervention? Super. Je vais juste rajouter une petite chose sur la langue par rapport aux politiques d'immigration. Je dis que j'étudie les politiques, mais en fait, j'ai beaucoup étudié les discours aussi. Puis, il faut juste se rendre compte, c'est cyclique, par rapport à cette question de qui on sélectionne. Est-ce qu'on veut des immigrants qui parlent le français? Oui. Ça a été vraiment cyclique, en fait, dans l'histoire du Québec. Et c'est très drôle, enfin, c'est très intéressant d'aller voir les débats à l'Assemblée nationale du Québec sur la question, parce que c'est par phase. Il y a des moments où on dit « oui, c'est la solution, amenons plus d'immigrants francophones ». Puis après, il y a des débats à l'Assemblée en disant « non, mais est-ce que les Français s'intègrent vraiment ?» Ou est-ce que, parce que évidemment les pays francophones, c'est certaines régions du monde, puis ça a amené un autre type de diversité aussi, puis tout d'un coup, là, on était un peu en affaire que finalement, les francophones, ben, est-ce qu'ils sont aussi proche de nous parce qu'ils parlent français, est-ce qu'il n'y a que la langue? Puis là, c'est vraiment une oscillation. Puis c'est vrai que pour l'instant, dans les programmes des partis, c'était vraiment l'idée de parce qu'on parle français, on va se réunir. Mais en fait, l'histoire a prouvé que non, des vagues d'immigration francophone ont été confrontées à d'autres difficultés d'intégration aussi ou d'insertion. Donc je voudrais juste dire ça. Parfois, il y a des choix de politique publique qui paraissent évidents, mais dans les faits, il faut se rendre compte que ça n'a pas toujours les effets auxquels on pense. Et c'est sûr que la question de la région, de l'installation, de la distribution sur le territoire des nouveaux arrivants, elle préoccupe beaucoup le Québec. Mais plusieurs caveats là. Un, elle préoccupe tout le Canada là. C'est un problème à l'échelle du Canada. On sait que c'est Vancouver, Toronto, Montréal qui sont les ports d'entrée où il y a le plus de communautés immigrantes. C'est un phénomène mondial aussi. Il ne faut pas croire là qu'il n'y a que ça ici. C'est un phénomène mondial que les villes attirent comme en raison des réseaux, en raison des opportunités d'emploi, en raison des transports en commun, de la présence de crèches, de services de garde, d'une série de raisons. C'est sûr qu'il y a comme une sorte d'aimant des grandes villes ou de certaines villes vers les places d'immigration. Ce qui fait peur ici au Québec, c'est que c'est conjugué à la langue, clairement. C'est la concentration de communautés qui parlent peut-être moins le français ou qui sont en phase de francisation ou de certaines communautés face au reste du Québec. Et c'est vrai que c'est une question qui préoccupe beaucoup le Québec, mais attention que la régionalisation, comme on l'appelle, là, amener les immigrants en dehors de Montréal, c'est la régionalisation, les amener en région. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on en parle. Mm-hmm. Ça fait plusieurs dizaines d'années que le gouvernement investit là-dedans. C'est quelque chose qui est très fort dans le discours du gouvernement actuel, qui a investi beaucoup plus peut-être ou qui a investi dans d'autres moyens. Est-ce que ça va changer? Est-ce que ça ne va pas changer? On en parlait avec certains hier. On voyait quand même certaines données du recensement qui sont sorties par rapport à ça. Et il semblerait que Montréal commence à attirer une moins grande proportion d'immigrants. Ce n'est pas en nombre absolu, c'est une proportion d'immigrants par rapport. Donc, il y a certains mouvements qui peuvent opérer au niveau du Québec et qui sont évidemment intéressants parce qu'en fait, c'est pas seulement Montréal contre le reste du Québec, là. Savoir qu'il y a des demandes ou des besoins qui existent ailleurs. Mais, et ça, je veux vraiment insister là-dessus, c'est quelque chose que je trouve super important, on présume que parce que les immigrants sont nouveaux, genre moi, on est super mobile, là. Comme si on n'avait pas d'attache, pas de famille, pas de besoins, et qu'on pouvait nous changer et nous dire « mais oui, va en Abitibi ou va à Percé ». J'adorerais vivre à Percé, mon Dieu, j'aimerais ça. Mais ce n'est pas mon travail. J'ai deux enfants en bas âge, là. J'ai besoin de services de garde, j'ai besoin de médecins, j'ai besoin d'une service de choses. Et en fait, tout ça, ça s'inscrit dans des dynamiques plus globales de « out-migration », de gens qui quittent ces régions. Puis si des gens sont partis, qui habitaient là, sont partis et vont ailleurs, pourquoi est-ce que les immigrants resterait par magie à des endroits où des gens ne veulent pas habiter. Puis ça, je pense que c'est important. Puis c'est un peu parfois l'éléphant dans la pièce, là, qu'on ne veut pas dire. C'est une stratégie globale qu'il faut avoir. Puis ça prend des services de garde, des transports en commun, des organismes communautaires. C'est structurel, je pense. Très bien. David? Moi, j'ai tendance à croire qu'on fait trop l'abstraction d'une ouverture latente et potentielle des régions pour recevoir de l'immigration. On est dans un monde concurrent. Les jeunes font l'exode, les régions
peuvent être de moins en moins dépendants sur les ressources primaires. Leur survie est en jeu. On regarde Sherbrooke comme bel exemple de projet d'intégration collective où toutes sortes de partenaires sont impliqués. Je trouve qu'on donne trop de place à cette autre dichotomie Montréal versus les régions. Deuxième chose, si je peux me permettre, on parle de la francisation. Est-ce qu'on peut se donner la tâche collectivement d'être plus conséquente là-dessus? Dans un premier temps, c'est un incontournable, je comprends. Par contre, est-ce qu'on va de façon normale et bienveillante en quelque part, mais pragmatique aussi, chercher des partenaires dans ce processus-là? Je me permets deux exemples. J'ai eu le plaisir, de passer quelques 200 heures en commission parlementaire sur le projet de loi 96. Et la question de la langue, évidemment, est tout à fait intertissée dans notre débat ici. Quelques 200 heures où il y avait deux enjeux qui ont fait leurs dégâts. Et j'imagine qu'ils vont continuer d'avoir un impact négatif. Dans un premier temps, comment on peut se permettre de façon responsable de dire qu'une question qui touche à la francisation, c'est la langue parlée à la maison. Je m'excuse, on demande à n'importe quel immigrant, même où le français est une langue parlée couramment, ou même la langue maternelle. Qu'est-ce que vous parlez à la maison? Comment on peut se regarder dans les yeux et accepter ça comme un indice d'intégration, quand souvent ces gens-là se donnent la tâche, malgré l'importance de faire nourrir leur famille, de se perfectionner en français? Voilà une chose qui a laissé des dégâts. Deuxième chose, et je pense, j'ai eu le plaisir en tant que notre porte-parole en matière de santé mentale, à témoigner le rôle primordial, touchant et tellement important des regroupements communautaires d'entraide en tout ce qui est trait à la santé mentale. Vous savez qu'il y a un parallèle parfait pour les regroupements d'entraide en ce qui est trait à l'immigration. Comment croyez-vous que ces gens-là auraient réagi à l'idée que ça ne prend que 6 mois pour apprendre la langue? Quelle absurdité! Et plusieurs de mes 200 heures étaient prises avec ces regroupements qui étaient devant nous, qui ont parlé de leur fierté, la fierté des nouveaux arrivants, de se trouver le temps et d'accepter l'obligation de se perfectionner en français, qui ont dit « What bloody planet are you living on? This doesn't happen in 6 months. » Alors, le tout est englobé dans le tout, alors je me permets ces observations, parce qu'il faut semer le terrain pour une approche collective et efficace et humaine en ce qui a trait à l'intégration. Il y a un prix à payer monétairement et autre. Et est-ce qu'on va l'assumer? Mmh. Peut-être juste revenir, puis je vais te donner la chance peut-être à Adèle ou à Marjorie de répondre. J'ai oublié de dire... Ça, c'est amateur. On ferme le téléphone durant un panel, David. Je devrais savoir ça. Ça fait pas si longtemps que ça que vous êtes plus à l'Assemblée nationale quand même. Je me permets. Délinquance. Alors, monsieur le député, alors, je vais revenir sur la question de la langue maternelle. David disait justement que c'est le pas, et Marjorie aussi, vous en avez parlé, du fait que ce ne serait pas le bon indicateur pour mesurer à la fois la santé du français au Québec ou l'intégration. Alors, quel serait le bon indicateur pour voir qu'une personne immigrante est bien intégrée? Je veux peut-être sur la question de la langue, la poser la question à Adèle et revenir à Antoine sur la perception du Québec sur cette question-là aussi. Bien, moi, j'aurais tendance à dire que la PLOP, là, la première langue parlée officielle, est beaucoup plus importante que la langue parlée à la maison, parce que de toute façon, quelqu'un ne va pas changer de la langue parlée à la maison. Enfin, je veux dire, c'est très... rare. En une génération. En deux générations, oui.
mais en une génération, je ne sais pas s'il y a déjà des dynamiques familiales dans une certaine langue, vous allez devenir plurilingue. Et ça, c'est quelque chose d'autre sur lequel j'aimerais insister. Je trouve que ce serait important que le Québec, avec les ressources qu'il a... Regardez la salle, la plupart des Québécois, ils n'ont pas besoin de microphone pour entendre les deux langues, alors que les gens du Canada, plus parce qu'on est moins plurilingue à l'extérieur, mettre en avant à quel point le plurilinguisme est une force et importante sur le plan... Une richesse culturelle, sociale et économique en plus, mais je le mets en dernier parce que bon... Non, mais je veux dire, c'est bien pour le marché du travail aussi, mais être plurilingue, c'est une énorme richesse. Et Montréal et le reste du Québec a cette richesse. Le recensement dit que Montréal, c'est la ville la plus trilingue du Canada. Donc, anglais, français, langue maternelle. Je veux dire, c'est pas un défaut. Et oui, certains Québécois de souche s'en vont, mais je veux dire, ce serait une richesse pour eux aussi d'apprendre une autre langue, par exemple, avec des échanges avec d'autres communautés. Et d'ailleurs, ce que je voulais aussi dire, c'est que dans les grandes villes, le fait que les immigrants interagissent avec d'autres immigrants, ce n'est pas propre à Montréal, c'est propre à la façon dont les échanges se font entre communautés. Ça, je ne dirais pas que c'est une problématique québécoise seulement, mais j'aurais tendance à dire que, de ce point de vue-là, c'est très important de faire des investissements massifs pour que les gens soient parfaitement capables de parler le français au travail et donc d'intégrer les cours de français dans le milieu du travail. Et c'est vrai que le gouvernement actuel a mis les moyens, beaucoup plus de moyens que les gouvernements précédents peut-être. Et c'est là qu'on voit le décalage entre le discours et les moyens, parce qu'ils ne mettent pas l'accent là-dessus dans le discours, mais ils ont vraiment mis des moyens pour multiplier les offres, si c'était possible, sur le terrain. Et ça ne se fait pas en 5 minutes, donc on va voir comment ça va se faire dans les prochaines années, mais pour faciliter l'accès au français à d'autres personnes issues de l'immigration. Et ça, je pense que c'est particulièrement important de le faire justement au travail, et que ça demande des moyens considérables, on l'a dit. Et donc, ça va coûter de l'argent. Mais je pense que si on veut vraiment que le français soit la langue pérenne, on ne changera pas la langue maternelle des gens chez eux. Il faut investir et faire ça de façon bienveillante. Mais en principe, l'argent est dans l'entente pour le faire, n'est-ce pas? Antoine, sur la presse. Je m'excuse, la question, c'est... C'est plus de voir la lecture des Québécois, peut-être en francophone, sur cette question-là de l'évaluation, parce que souvent... Si on fait rapport notamment aux médias, aux différents reportages sur la question de la langue maternelle et de la perte de la langue présente, que le français étant la langue maternelle à Montréal, par exemple, contribue au discours de la baisse du français auprès de la perception. Quelle est la perception des Québécois sur cette question-là? Est-ce qu'il y aurait ouverture aux arguments soulevés par Adèle et David, par exemple? Malheureusement, je n'ai pas de réponse à cette question-là. Je ne sais pas. Okay. Non. J'ai pas de... Oui. La majorité voulait. Mais en fait, moi, ce que je voulais... En fait, c'est un exemple que je voulais donner parce que, bon, venant, travaillant dans le quartier Saint-Michel, qui est un quartier multiethnique, je ne sais pas, il doit y avoir 60 langues différentes qui se parlent dans ce quartier, mais la langue commune, c'est le français. Parce que chaque personne parle sa langue, mais quand il s'agit de se parler entre nous, la langue commune est le français. Et je me dis, mais chaque fois que j'entends des fois des discours contre, je dis, mais ils ne viennent pas là où les gens sont pour constater comment les choses se passent, finalement. Mm. Ah, peut-être un décalage, oui. Entre, encore une fois, puis Antoine le soulevait, entre la perception, oui, et la réalité, et la réalité du terrain. Oui. Je veux nous amener quand même, parce qu'on a peu encore eu la chance de toucher quand même sur la question démographique. C'est aussi, pendant des années, on a souvent entendu au Québec la question du taux de natalité et que la population immigrante contribue à renouveler la population, une participation active. Récemment, on voit qu'il y a quand même peut-être un petit changement de discours à ce niveau-là. Est-ce que vous pouvez d'abord nous l'expliquer, Catherine, et nous dire un peu quels sont les impacts de ce changement-là? Bien, c'est certain que les arguments ou les enjeux démographiques sont énormes, puis on en a parlé ce matin au Canada, mais ça se pose aussi à l'échelle du Québec, sauf que ça se pose quand même un peu différemment. Donc, aujourd'hui, la population québécoise, elle est vieillissante, il y a beaucoup de sortants sur le marché du travail. Elle n'est pas si différente que beaucoup de populations dans d'autres, d'entre autres sociétés occidentales. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'accord de 91, et pas 91 comme j'allais dire, 91, il y avait l'enjeu de la langue, c'est très important, c'est dès le préambule. Mais il y a un autre enjeu qui arrive dès le préambule, la démographie. Et comment l'immigration peut, un, contribuer à l'augmentation du nombre de gens au Québec, mais deux, et ça c'est vraiment important à ce... au rapport de force ou aux proportions, au rapport démographique entre le Québec par rapport au Canada. Puis ça, c'est majeur quand on étudie les liens entre immigration et fédéralisme à nouveau, c'est qu'à l'époque, quand on s'est négocié, on a vraiment peur que, parce que tous les immigrants vont aller dans le Canada,
ben, le poids démographique du Québec va diminuer. Puis l'immigration est vraiment vue comme un moyen aussi d'affirmer sa force, parce que ce qui compte, c'est aussi les gens, le nombre de gens qu'on est au Québec face au reste du Canada. Et donc, il faut savoir que dans cet accord, on prévoit qu'ils peuvent, le Québec, accueillir jusqu'à 20 % même plus 5 % donc son poids démographique en proportion du nombre total d'immigrants accueillis au Canada. Donc, c'est comme si on donnait le droit au Québec de recevoir presque un quart des immigrants au Canada, justement parce que le Québec avait vraiment cette revendication de ben, « si le Canada grossit, nous aussi on veut grossir parce qu'on veut continuer à compter, on veut continuer à être important et une force ». Puis on vote avec ses pieds, on vote avec son ombre et autres aussi dans, au sein de la Fédération. C'était quelque chose qui était très présent dans les discours hein, et qui était aussi, qui faisait partie de ce consensus dont Mireille Paquet a parlé ce matin, cet enjeu démographique. Puis là, c'est vrai qu'il y a peut-être un shift, puis il y a peut-être quelque chose qui se passe. C'est est-ce que le Québec, certaines élites politiques aujourd'hui se disent qu'en fait ce combat est perdu d'avance ou est-ce que c'est plus quelque chose qu'on veut? Juste pour information, évidemment, ça, vraiment, on a parlé des seuils de l'immigration de masse. C'est sûr que les seuils, les cibles d'immigration au Canada sont vraiment importantes et elles sont amenées à augmenter de manière vraiment forte. Mais si le Québec reste stable, le statu quo d'immigration permanente et que le Canada monte, il ne faut pas être très doué en statistiques pour comprendre que la proportion d'immigrants qui arrivera au Québec comparée à tout le reste qui iront au Canada, on n'est plus à du 20%. On était à du 16% avec les derniers seuils. Si ça continue d'augmenter, il y a des instituts qui ont fait des projections démographiques par rapport à ça, on serait autour de 12-13% du nombre d'immigrants. Mais ça a des implications majeures sur les aspects démographiques, mais comme je disais, sur des rapports de force, sur aussi des enjeux de transfert financier. Il y a plein d'éléments du fédéralisme canadien qui sont aussi basés là-dessus. C'est un enjeu qui paraît peut-être loin, mais en fait, c'est un enjeu important pour l'avenir, c'est un enjeu important pour un projet de société, c'est un enjeu important si le Québec veut rester une société distincte. Comment est-ce qu'on fait pour rester distinct, mais sans se fermer? Ou rester, et puis il y avait ce discours, non, il n'y a pas de problème, on va rester petit. Mm. OK, ça peut être un projet politique, mais ça a des implications majeures. Tant que le Québec est au sein du Canada, ça a des implications majeures. Puis il ne faut pas sous-estimer comment les choix politiques d'aujourd'hui par rapport à ça pourraient influencer l'avenir et des transferts financiers, économiques, des rapports de force sur d'autres dossiers aussi qui sont vraiment très importants. Parce que c'est l'immigration qui déterminera la force du Québec demain dans le Canada aussi. David peut probablement être d'accord avec moi là-dessus pour avoir fait quelques campagnes électorales, parler des défis démographiques pour intéresser le peuple, c'est pas évident. Est-ce que je me trompe, Antoine? Comment intéresser population à cette question? Mais en fait, ça revient un petit peu à mon point d'entrée. Là. Je trouve que je comprends des discussions démographiques, c'est pas très sexy. Hein? Ça, pas sur le terrain, quand on fait du porte-à-porte, mais je pense aussi que, si je reviens au point, c'est hors contexte, Marjorie, mais on parle d'être humain. Hein? Et donc, je pense qu'il y a une limite là, à l'instrumentalisation du discours sur l'immigration. Je soupçonne que c'est la raison pour laquelle on est passé de genre 70-75% de la population qui s'opposait qui voulait une réduction de l'immigration à aujourd'hui la moitié. Mais c'est une stratégie qui est risquée parce que on nous vend l'immigration comme une solution magique au niveau de la démographie, au niveau de l'économie. Et s'il fallait qu'on en vienne à un moment où les gens démontrent que c'est peut-être pas la baguette magique qu'on voulait, le ressac pourrait être important. Donc, je pense que les enjeux démographiques sont vrais, mais il ne faut pas perdre de vue que, un, c'est des gens qui viennent s'installer, et c'est des gens qui les reçoivent aussi. Donc, si je revenais aux bases de l'orientation de la relation du Québec à la diversité, si on ne fait venir des gens que pour des raisons démographiques et économiques, c'est quelque chose d'inquiétant, je crois. Et il faut discuter plus large. Et en ce moment, l'aspect ouverture à la diversité, il n'est pas très dominant. L'acceptabilité sociale, justement, de la société d'accueil sur ces questions-là, quand vous dites ça? Donc, ce n'est pas la bonne stratégie de revenir sur ces questions-là de démographie, pénurie? Bien, c'est-à-dire que, non, ça vend très bien, je crois, de manière générale, surtout l'argument économique, je pense que ça vend très bien. Ce que je veux dire, c'est si, là, il y avait une étude de Pierre Fortin qui est sortie il y a quelques semaines,
qui lui démontait les arguments en faveur de l'immigration, qui disait, c'est pas comme Danny Bird le disait ce matin, c'est pas vrai que ça rajeunit la population, c'est pas vrai que ça augmente la richesse, ça augmente le produit intérieur brut, mais ça augmente pas le produit intérieur brut par capita. Donc, théoriquement, ça n'augmente pas la richesse individuelle. Puis, c'est pas vrai que ça diminue la pénurie de main-d'œuvre. Bon, moi, je suis pas un économiste, j'ai pas relu les détails de son étude, je me prononcerai pas sur la validité. Mais si ce discours-là commence à émerger et que la première raison pour laquelle on a accepté d'avoir des immigrants s'effondre, ça fait mince comme coussin pour atterrir. Donc, c'est ça que je veux dire. C'est un discours, mais il faut qu'il y ait un discours plus large. Et là, en ce moment, au Québec, on n'a pas d'autre discours autre que ça. Et l'autre discours, il est plus négatif que positif. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on est dans une situation qui est un peu risquée, je crois, à long terme. Marjorie. Oui, mais en même temps, on n'a pas le choix dans le sens que il faut se préparer à ça. Regardez, ce qui arrive actuellement sur la planète va faire qu'on va être un endroit où les gens vont vouloir venir. Donc, il faut se préparer, il faut être prêt à ça. Donc, on n'a pas le choix. Mais je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je dis qu'il faut travailler sur quelles sont les attentes des immigrants et quelles sont les attentes de la population locale. Il faut qu'est-ce qu'on va mettre en place aussi? Oui, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors qu'en ce moment, on évacue un peu le... Parce que là, l'arrivée, par exemple, l'arrivée massive des personnes, enfin, massive entre guillemets, parce que bon, 20 000 personnes, ce n'est pas encore massif. Mais l'arrivée des gens à Wrexham Road, ça ne va pas s'arrêter. Parce que la situation mondiale va faire que les gens vont rentrer. Oui, absolument. Mm-hmm. Donc, on voit c'est que, effectivement, ce n'est pas facile. Mais on a abordé la perception de la société d'accueil sur ces questions-là. Mais une question que je me pose aussi, puis c'est peut-être que je vais commencer par Marjorie sur le terrain aussi, c'est de voir les discussions récentes en matière d'immigration ou de discours public, l'impact sur les migrants qui arrivent, mais aussi sur les immigrants potentiels qui voudront venir peut-être au Québec. Est-ce que le discours des dernières années a un impact sur le choix que font les gens de venir vers le Québec ou pas? Je vais regarder peut-être vers vous ou Adèle. Enfin, moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était ça. Il y a une réconciliation à faire parce que les derniers discours font que les gens sont plus ça va et plus les personnes immigrantes et d'origine, c'est-à-dire donc leurs enfants, sont persuadés que les Québécois ne les aiment pas, ne les veulent pas. Donc, il y a une réconciliation à faire, ça c'est certain. Est-ce qu'on peut prendre quelques secondes pour parler d'une réussite reconnue sur le plan mondial? Une autre fois, c'est le Québécois d'expression anglaise, ancien directeur général d'Alliance Québec, qui vous le disent, de la Charte de la langue française, de regarder cette génération d'enfants issus de la Charte de la langue française, pas leurs parents, les enfants qui ont étudié en français suite à l'adoption de la loi en 77, de regarder leur taux de maîtrise du français, qui est aux alentours de 90%, d'examiner si leurs enfants s'intègrent, restent au Québec. Est-ce qu'on peut, pour une seconde, prendre le temps de regarder les atouts aussi? Y a-t-il des défis qui vont être là toujours? Oui, mais de ne pas mettre ces défis en relief contre, en quelque part, l'immigration. C'est pas l'immigrant qui est responsable pour Netflix et Amazon. Mais l'autre alors, chose... ces réalités ne touche pas à l'immigration, est-ce qu'on peut se donner le discipline collective de regarder les vrais enjeux? Plusieurs réactions. Antoine et Marjorie. Bien, Mireille vous a promis que je parlerais d'identification nationale, donc le temps file, donc il faut que je le fasse avant que ce soit la fin. Non, le commentaire, je pense, la porte s'ouvre pour ça. Je pense que vous avez tout à fait raison. Il faut se questionner sur la deuxième génération. Soit dit en passant, on a très peu de données probantes de manière générale. Là où le peu de données qu'on a dans les études que j'ai faites, ce qui est franchement inquiétant, c'est qu'on sait que l'identification québécoise est extrêmement importante pour les Québécois. C'est central dans leur identité, c'est vraiment un pôle, c'est le pôle principal pour l'essentiel des Québécois, la majorité des Québécois. On sait que les immigrants qui arrivent ici, et ça plusieurs études au fil des années l'ont montré en utilisant différents indicateurs,
il y a un écart flagrant dans la force de l'identification au Québec entre la population non-immigrante et la première génération d'immigrants. Et là, ce qu'on a vu dans une étude récente que j'ai faite, c'est que cet écart-là entre les non-immigrants et les immigrants est exactement le même chez la deuxième génération. Et c'est vraiment dans toutes les attitudes, les valeurs qu'on regardait, l'enjeu sur lequel il y a un écart le plus grand entre les Québécois qui sont immigrants et les autres, c'est sur l'enjeu de l'identification au Québec. Ce n'est pas sur l'enjeu de l'identification au Canada, parce qu'on sait que les Québécois ont une identification plus faible au Canada, puis les immigrants plus fortes, mais l'écart, là, il est important. Mais le plus gros écart qu'on voit, c'est la force de l'identification au Québec, et il est reporté sur la deuxième génération. Vous n'aimeriez pas ma question, mais pourquoi, selon vous? C'est une excellente question. Je n'ai pas de réponse magique, mais je pense qu'on se questionne peu, justement, sur le pourquoi. Je pense qu'il y a une question, puis au niveau conceptuel, les trucs empiriques qu'on a commencé à faire, on utilise beaucoup le concept du sentiment d'attachement, d'appartenance, mais aussi le sentiment d'acceptation, d'être accepté comme un membre à part. Et on a eu Marjorie. Oui, et on voit que c'est un facteur qui est vraiment important. Mais là, je fais juste déplacer le problème. Je vous dis, ils ne se sentent pas acceptés, mais pourquoi ils ne se sentent pas acceptés? Là, on a le même. La langue, soit dit en passant, est un facteur vraiment important pour déterminer s'ils se sentent acceptés ou pas. Évidemment, c'est beaucoup plus fort chez les francophones, mais on n'atteint pas quand même les mêmes niveaux. Mais là, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un fossé qui est présent déjà. Il ne se creuse pas, je veux dire, il est présent. Est-ce qu'il va se creuser? Peut-être. Mais là où ce que je trouve qui est inquiétant, c'est qu'il y a cet écart d'identification au Québec qui est très fort, vraiment. C'est vraiment impressionnant. Mais on sait aussi comment, c'est, comme je disais au départ, c'est central pour les Québécois, l'identité québécoise. Donc, on a des nouveaux Québécois qui ont de la difficulté à s'identifier au Québec, et on a le reste des Québécois pour qui l'identification au Québec est importante, et je pense, savent que les nouveaux Québécois ne s'identifient peu au Québec. Mm-hmm. Et donc, ça crée une polarisation, je crois, qui est préoccupante et sur laquelle il faut se questionner. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on a ça? Et qu'est-ce qu'on fait pour y remédier? Et cette question-là est vraiment ouverte pour peu importe qui a envie de d'y répondre. Cette question d'identification et du fait qu'on le voit, peu importe, parce que David a très bien expliqué, Marjorie aussi, quand on voit la question de l'apprentissage de la langue, de l'intégration, se pose évidemment moins en deuxième ou troisième génération, mais l'écart persiste au niveau de l'éducation. Est-ce que c'est lié au débat sur les valeurs? Parce que c'est relativement nouveau dans le discours québécois, ce discours autour des valeurs, est-ce que ça contribue moi, à cette question? Pour moi, c'est une question qui est importante, parce que d'un côté, on parle de s'identifier à un Québécois, et qu'est-ce que c'est finalement ça? Parce que quand je regarde la deuxième génération, il y a une culture qui s'est développée, une nouvelle culture, que la deuxième génération, ce n'est pas la culture de leurs parents. C'est la culture de leurs parents mélangée à celle du Québécois, et c'est cette nouvelle culture-là, est-ce qu'on la reconnaît? Est-ce qu'on reconnaît cette nouvelle culture? Moi, je dis, il y a toute une culture afro-québécoise qui s'est développée, mais est-ce qu'on la reconnaît? C'est une richesse supplémentaire. Mmh. Et elle se fait en français. Donc, moi, je pense que c'est ça. Quand on entend le parler des jeunes à Montréal, et qui est en train de se gagner, d'ailleurs, les autres régions, c'est tellement teinté de paquets de mots de toutes sortes de pays. Et c'est ça qui fait cette nouvelle culture, je trouve. Et c'est une culture qui est la nôtre. Elle n'est pas venue d'ailleurs, elle est née ici. Elle est née au Québec. Donc moi je dis, c'est une richesse supplémentaire, au lieu de le voir comme quelque chose, reconnaissons-le et ajoutons ça au bagage que nous avons au Québec. Moi c'est ce que je dis. Catherine. Oui, si on peut juste un peu décentrer le débat par rapport à ça, on a parlé du Canada, du Québec, mais en fait, la particularité du Québec aussi, c'est que c'est une nation minoritaire. Alors, on pourrait les appeler de plein de façons, mais c'est une nation minoritaire. Là, il y a certaines craintes, il y a certaines peurs, il y a une question de destin, d'existence qui est forte et qu'il faut reconnaître. C'est sûr que c'est une configuration particulière, mais qui existe dans d'autres pays. Puis parfois, c'est aussi, ça vaut le coup d'aller voir un peu ailleurs. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la Flandre, évidemment, en Belgique, mais on peut parler de la Catalogne, de l'Écosse, du Pays Basque. Mm-hmm. Il y a d'autres nations dans le monde qui sont confrontées à cette question de l'identification nationale. Puis
comment est-ce qu'on doit rester fermé ou est-ce qu'on doit s'ouvrir? Puis j'ai toujours cette... moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'immigration, nationalisme. On a toujours cette idée que les nationalistes n'aiment pas les immigrants, mais ce n'est pas vrai, en fait. Je veux dire, ce n'est pas vrai. L'histoire nous prouve que non, le nationalisme a pu se montrer ouvert, intégrateur et autres. Et ça a été longtemps le pari du Québec. La question, c'est... quel est ce nouveau nationalisme peut-être de la CAQ qui se base peut-être sur d'autres bases, certainement plus identitaires? Puis comment est-ce qu'ils veulent faire société puis inclure vraiment les gens? Et c'est ça aussi l'incertitude, mais c'est un défi pour beaucoup de nations aujourd'hui, et certainement des nations minoritaires qui veulent défendre leur langue, qui veulent défendre une certaine manière d'exister, une certaine culture. Puis il y a des réponses différentes qui sont plus ou moins couronnées de succès, mais c'est un défi majeur là. C'est pas seulement au Québec que ça se pose. Oui, il y a ces écarts d'identification, mais c'est vraiment difficile quand on est une nation minoritaire aussi et qu'on est confronté forcément à l'immigration. J'ai vu David, désolé. Je nous invite d'acquérir un moment où les vieux schnooks, les vieux baby boomers vont s'évacuer de ce débat. Je vais continuer de m'exprimer jusqu'à l'âge de 120. Mais que le débat ne soit pas dominé par les gens qui ont vécu deux référendums, qui ont vécu l'élection du Parti québécois, qui ont vécu la rêve de la souveraineté qui ne va jamais mourir, j'en conviens. Est-ce qu'on peut se mettre à l'écoute de nos jeunes? Parce que, sans être provocateur, moi, je suis convaincu que la plupart des jeunes vous regarderez et vous direz « So what? So what? » Je parle français, j'adore mon Québec de ma façon. Je crois que le débat évolue. Est-ce qu'on peut au moins être à l'écoute? Ça se peut que je me trompe et je minimise aucunement la centralité de continuer à protéger, à sauvegarder notre langue commune. Mais j'ai tendance à croire, à espérer, et ça touche beaucoup à l'immigration, parce que c'est l'accueil qu'on va les offrir. J'ai tendance à croire qu'on est devant une société qui évolue de plus en plus sur ces questions-là. Malheureusement, je ne partage pas autant votre optimisme. Je pense que c'est une réalité très montréalaise que la jeunesse et les nouvelles générations embrassent la diversité et une identité beaucoup plus ouverte. Je ne dis pas qu'ailleurs, ils sont complètement fermés. Mais dans les études qu'on avait faites, on voyait qu'à Montréal, on voyait vraiment les nouvelles générations qui poussaient. Mais si on allait, je retourne encore une fois à l'étude sur la périphérie autour de Montréal, en fait, les gens, souvent même un peu presque les plus rébarbatifs, étaient les jeunes. Et ça s'explique par la même mécanique. Et on voyait surprenamment les gens qui étaient nés dans les années 50, peu importe où ils vivaient au Québec, ils avaient le même type d'attitude envers la diversité. Peu importe où. Et c'est vraiment flagrant. Et on l'expliquait par le fait, c'est des gens qui ont été socialisés à une absence de diversité, peu importe où ils étaient au Québec. Quand ils ont grandi, il y avait très peu de diversité comparativement à aujourd'hui. Et quand on regardait les jeunes Montréalais, qui sont nés à peu près en même temps que moi, que la loi 101, eux, ils avaient vécu le partage sur les bancs d'école, donc la diversité grandissante, mais aussi la loi qui force la cohabitation sur les bancs d'école. Et on voyait vraiment que pour eux, l'immigration, c'était pas vraiment une menace, c'était vraiment flagrant la différence. Mais ceux qu'on voyait pour qui ça devenait vraiment plus inquiétant, c'était les jeunes de la périphérie, surtout de la périphérie nord. Et comment on se l'expliquait? C'était parce qu'eux, ils ont grandi près de la diversité. Ils voient la diversité parce que souvent, ils viennent beaucoup à Montréal, mais ils n'ont pas eu le contact de qualité sur les bancs d'école parce que la diversité n'est pas dans les périphéries. Et donc, c'est très souhaitable que les nouvelles générations automatiquement embrassent la diversité puis une identité québécoise plus ouverte, mais je pense qu'il ne faut pas non plus espérer que ça va se passer comme ça. C'est plus complexe. À Montréal, tout à fait, on le voit énormément. Et ça, il n'y a pas de doute à Montréal pour moi, mais je ne crois pas nécessairement que c'est universel. Ce n'est pas un automatisme. Il y a des raisons structurelles pourquoi ce changement-là s'est fait. Et il faut s'assurer qu'il y a des facteurs structurels qui perpétuent ça dans le futur. Je sais, David. Mais David, depuis tantôt, David me regarde pour la période des questions. Je veux laisser la table à tout le monde pour répondre aux questions. Mais juste pour terminer, vous avez réussi quand même, je pense, que de faire le débat avec des perspectives différentes. Est-ce que
vous pensez, je vais poser, je ne devrais pas faire ça, je vais faire comme une journaliste, je vais poser deux questions. Un, est-ce qu'on peut au Québec faire un débat ou une discussion sur l'immigration de façon responsable? Et deux, on entend réforme. Est-ce qu'on a une bonne politique en matière d'immigration au Québec? Est-ce que la base est encore solide ou est-ce qu'on s'en va vers une autre réforme? Je veux dire le R word. Je commence avec Adèle. Comparativement à plein d'autres endroits du reste du monde, on peut quand même bien discuter de l'immigration au Québec. Et on peut en discuter en français, on peut en discuter en anglais dans des événements comme aujourd'hui, mais il y a encore des médias où ça peut se faire. Je m'inquiète beaucoup de la montée de chroniqueurs vraiment idéologiquement contre l'immigration. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des mouvements qui vont contre ces chroniqueurs-là. Et donc, je pense que, en tout cas, je suis optimiste de ce point de vue-là. Encore, moi, comme relative nouvelle arrivante. Bonne politique, ça dépend vraiment des critères qu'on a. On l'a dit tout à l'heure, Environix montre une très bonne légitimité quand même des niveaux d'immigration. Et le Québec, quand on fait l'analyse par province, ne se distingue pas du reste du Canada. Mais par contre, les défis dont Mireille a parlé sont considérables. Et là, ça nous pose aussi, et ça c'est pour reprendre la question de l'identification, le modèle où l'immigration était vue comme une force, c'était un modèle de construction nationale. On se place dans une politique néolibérale à l'échelle de la planète où il y a des désinvestissements massifs dans les services publics. Moi, je me demande quand même, comment est-ce qu'on veut avoir une identification ouverte de la diversité, qui est aussi ouverte sur l'équité pour tous, etc., sans investir de manière très importante au niveau public, bien plus largement que dans l'immigration. Parce que ce n'est pas juste, comme on l'a dit ce matin, ce n'est pas juste l'immigration, c'est les politiques sociales, c'est les politiques d'embauche, c'est le fait que les employeurs n'investissent pas dans le capital et voient les immigrants comme potentiellement main-d'œuvre qu'on va jeter, etc. Je pense que le défi est beaucoup plus grand. Et donc, de ce point de vue-là, oui, elle est légitime, notre politique d'immigration, mais les défis sont considérables et vont bien au-delà de l'immigration. Merci. Marjorie. Moi, je pense que oui, il y a une possibilité de faire un débat serein sur la question d'immigration. Par contre, sur la question d'une politique d'immigration, je pense qu'il faut, regarder toute la question des travailleurs temporaires versus c'est quel type d'immigration on veut. Je pense que c'est là qu'il faut poser la question. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut juste des travailleurs temporaires, quand on n'en a plus besoin, on les jette? Est-ce que c'est ça notre politique d'immigration? Ou est-ce qu'on veut vraiment mettre en place une politique d'immigration? Antoine. Bien, je pense qu'on n'a pas le choix. D'être capable d'avoir une... Je pense que c'est un débat qu'on est obligé d'avoir, mais je pense surtout que c'est un débat qu'on a besoin d'avoir en se basant de plus en plus sur des données probantes. J'ai fait les références à la différence entre l'autre vécu, l'autre imaginé puis l'autre vécu. C'est pas une réalité qui est vraie juste pour monsieur, madame, tout le monde. C'est une réalité aussi pour certains de nos élus. Et donc, je pense que c'est important d'avoir les outils pour réduire cet écart-là. Quant à la question de la politique, une réforme, bien, j'ai déjà annoncé mes couleurs d'emblée. Je pense qu'on a besoin, oui, mais je pense qu'on a besoin de prendre du recul un peu et d'arrêter de regarder juste la politique de l'immigration, surtout en ce qui concerne l'admission, et puis regarder plus large la relation du Québec à la diversité ethnoculturelle. Mm-hmm. David. J'espère qu'on va se donner l'obligation et le devoir de demander les bonnes questions, les questions confrontantes mais responsables. Et si oui, je vais vivre avec les réponses. Moi, je pense que le débat, là, il a déjà commencé. Là. C'est pas comme si on allait pouvoir le stopper et dire « Ah non, on n'a pas les capacités, là. » Il est là. Mm. Puis, je pense peut-être le Québec a été préservé, ou on parlait d'exceptionnalisme canadien, on pourrait parler d'exceptionnalisme québécois. Il se fait rattraper certainement par la réalité, puis par des tendances qui sont mondiales, puis qui sont communes à d'autres sociétés. Il se fait rattraper peut-être par certains démons aussi qu'on pensait qu'on avait mis au placard, mais qui existent encore, puis il faut pouvoir en parler. Je ne pense pas que c'est en parlant pas d'immigration qu'on résout ça, mais la question, c'est les données probantes, on l'a dit, la transparence. Puis parler des résultats, moi, je suis surprise avec mes étudiants, j'en vois quelques-uns dans la salle. Quand on regarde les résultats, en fait, les politiques marchent assez bien sur une série de choses. Les taux d'emploi des immigrants sont excellents. L'écart entre la population immigrante et la population
native, eh bien, ça se réduit par rapport aux autres provinces. Le Québec score mieux aussi. Il y a peut-être plus d'attractions. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui sont vraiment bonnes. Puis ça, on n'en parle pas. Ça, c'est souvent ce qui me frustre en immigration. Puis c'est normal, on ne parle que des problèmes, de ce qu'on ne fait pas bien, de ce qui ne marche pas, de nos peurs, de nos craintes. Mais parlons aussi de ce qui marche, là, de ce qui fait la fierté, la distinction du Québec. C'est aussi un beau programme, je pense, à faire là, pour les années qui viennent. Oui, c'est positif. Et sur cette note positive,